J'avais dit pourtant de rester tranquille. Ah, jamais écouté personne. Penses-tu qu'elle va commencer aujourd'hui? Je devrais-tu appeler sa famille? Mmh. Ou qu'elle sera pas contente. Je sais pas quoi faire. Moi, je l'ai jamais vraiment vu en crise. Mais toi, oui. As-tu remarqué quelque chose de spécial? Ben, à repogner sa maudite manie des portes, là. Tu sais, genre, là, qu'elle arrête pas de les checker toutes, puis de les refermer, puis des fois, elle pogne la fixe. Mais je vois bien qu'elle veut pas que ça paraisse. Rien pour me rassurer. Elle retombe tout le temps sur ses pattes, par exemple. Elle dit qu'elle veut tellement pas repasser par là, mais c'est pas parce qu'on veut qu'on peut, hein? Hello! T'es où, ma grande trotteuse? Chez toi? Chez moi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, Stéphane pis moi, on te cherche partout! Stéphane? Il est pas reparti? Ben, pas en tout! Faut croire qu'il s'en faisait pour toi! On va venir vous en don, d'abord! Où ça? Au bistrot, cette affaire! Au bistrot? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vous attends! Bye, 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 bye! Ah, bye! Bon, pis... Ben, elle est bien excitée, puis elle nous attend. Ah ouais, on y va. Au bistrot, oui. Pourquoi tu refuses mon aide? Peut-être parce que t'es pas suffisamment convaincu toi-même. Tu te sens coupable, t'as peur du jugement des autres. Oui, c'est vrai, j'ai peur. Alors tu peux rien pour moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas, tu dois m'intriguer. Je suis un monstre, je te l'ai souvent dit. C'est pas que ça. Moi, j'ai connu un Thomas intelligent, attentif, sensible. Un homme tourmenté, mais qui se bat. Peut-être. Mais vois-tu, la part d'ombre en moi-même m'a toujours emporté. J'en sais ma dernière bataille, que j'ai perdue. Tu me déçois. Pourquoi? En donnant raison au monstre. En le laissant occuper tout le terrain. Et c'est pour ça que tu t'intéresses encore à moi. J'ai l'impression que tu peux rallumer une petite étincelle chez le Thomas que t'as aimé. Oh, je peux pas avoir aimé qu'un monstre. Faut pas croire que mes sentiments m'aient égaré à ce point-là. Alors tu veux me sauver? Pourquoi pas? Et par le fait même, te sauver toi. Je comprends pas. En même temps, t'as perdu une part de toi-même, pas vrai? Oui, ça se peut. Hein? Tu crois qu'en me redonnant ma fierté, une part de ma dignité, tu vas pas que retrouver la lumière en Thomas, mais aussi la tienne. Oui, c'est possible. Il n'est pas toujours essentiel de comprendre l'essence de nos actes ni leur motivation profonde. Ce qui compte, c'est qu'on sache si le geste qu'on pose est bien ou mal. Tout simplement. C'est mal de retourner voir. Toi seul peux répondre à ça. Ça a changé. T'aimes ça? Ça te ressemble. Ouais, dis-les donc, t'aimes ça. Je suis particulièrement contente que tu sois ici. Ça va, toi? Je peux pas savoir à quel point. Tu as dit que le vent a vite viré de bord depuis ce matin. Parce que t'as vu, je suppose. Arrête, là, tu vas me mettre mal à l'aise. Mais t'as raison, le vent a viré de bord. J'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. On t'a trouvé un autre cuisinier. Non, pas un autre cuisinier. Oh non, pas Didier. Il a décidé de rester. Madame, regardez ce que j'ai.
Allô, Stéphane. Hey, tu travailles pas, toi, jeudi soir? Bien, certain, je travaille. Mais tu es à la même place. Oui, je vous présente ma nouvelle associée. Et cuisinière en chef du bistrot D. Ah, oh, ben bonne, celle-là. Ben, ah, tu voulais avoir du fun, ben là, tu vas en avoir du mois avec. Mais Mais oui. Viens, tu fais ta cuisson, toi? Merci, non, je vais vous laisser. C'est vrai que vous faites un trio d'enfer. Oui. Ça va marcher, ma belle. T'as enfin trouvé une partenaire en or. Ça aurait pu être toi. Bon, bonne fin de soirée. Bye. Salut. Hey, Stéphane! J'ai un petit quelque chose, là, pour Audrey. Elle va l'aimer. Ah. Est-ce que... Là, tu pourrais me promettre quelque chose? Quoi? De venir à l'ouverture avec ta fille. OK, on va... Mais pour la date, là. Oui, oui, je sais. Elle changera pas. Ouais. Okay. Ouais. Si je suis ici, c'est parce que j'y tiens. Pourquoi t'insistes? Je sais que ma place est ici. Je te mérite pas. T'as si bien main perdue à cause de moi. Pierre. Une de tes proches aussi, sans doute. C'est vrai. Pourquoi t'as montré la meule puis pour moi? Chacun ses choix, j'assume les miens. J'ai toujours été un lâche. Incapable de faire face. Encore maintenant. Je préfère mourir que d'affronter ma réalité. J'ai perdu Suzanne. Tu veux que je reste ou pas? T'as pas pu me pardonner l'impardonnable. J'y suis pas arrivée. Alors, je comprends rien. Tu vas venir me voir, moi, un dépravé sexuel, un pervers, un abuseur d'enfants. Je veux croire en la meilleure partie de toi-même. C'est important. Ouais. C'est la dernière fois que je te demande, tu veux que je reste ou pas? Je vais être là. Hein? Tant que tu le souhaiteras. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, si c'est ce que tu veux. Robert. Enfile ton manteau. Quoi? Dépêche. On va où? Encore des questions? Tu vas arriver juste à temps pour mon gâteau d'anniversaire. Je tiens absolument à ce que tu sois là quand je vais fermer mes yeux et je vais penser fort fort à ce que je souhaite pour cette année. Dans un moment, Le Banquier animé par Julie Snyder. Les participants peuvent remporter jusqu'à $500,000. Plus qu'un jeu, Le Banquier, c'est un véritable happening. À voir dans un moment.
Je m'attendais pas à vous voir ici. Nous non plus. Mais maman, je sais, j'en reviens pas. Ah, félicitations, ma chouette. Oh, venez. Enfin.